Coucou les amis, bienvenue sur mon channel de la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour la période du 23 au 31 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonné. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à réserver votre guidance. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. On va commencer. Sagittaire. Les Sagittaires peuvent savoir maintenant qu'il est probable que vous êtes ici une personne célèbre pour d'autres. Il est probable que vous cherchez la célébrité. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que si vous êtes artiste, musicien, poète, écrivain, si vous passez à la télé, si vous aidez les gens, pour d'autres, si vous êtes spirituel, tarologue, divinatrice, astrologue, whatever. On a ici les anges qui me parlent d'une avancée quand on parle ici de votre célébrité pour d'autres. Si vous avez ici des dons, on a ici des gens qui vont commencer à reconnaître vos dons. On a ici des gens qui vont commencer à prêter un peu plus attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez assez de pouvoir, pas de pouvoir, vous avez ici assez de... Vous avez un don quand il s'agit ici du changement climatique ou encore de certains changements qui s'apprêtent dans le monde à se voir. Pour d'autres, c'est probable que vous êtes magicien, magicienne dans un certain sens. Vous pratiquez sûrement l'art, entre guillemets, la magie. Vous êtes ici en train d'essayer de manifester vers vous certaines choses qui ont une importance pour vous, d'accord? Pour une autre partie, donc, j'ai aussi l'impression que vous avez... maîtriser l'art de la loi d'attraction, vous savez attirer vers vous ce dont vous avez besoin au moment où vous avez besoin de cela. Et il est donc probable que vous avez donc vos dons ici qui sont en train d'arriver à un autre degré. Pour une autre partie, donc, on a ici les anges qui me parlent du besoin de vous baigner. On a ici quelqu'un qui a besoin de se baigner. Je ne sais pas pourquoi je veux ici quelqu'un qui doit se baigner au clair de lune pendant qu'il a encore temps. Et pour d'autres, on a ici quelqu'un qui doit chercher à prendre un bain tout court. Mais je vois ici un bain spirituel qui est très important pour vous. Pour une autre partie, donc, vous aussi probable que vous êtes une sirène. Et il y a très longtemps que vous avez besoin de vous reconnecter avec, avec l'eau, la magie de l'eau, something avec l'eau, right? Pour d'autres. D'autres, je ne sais pas pourquoi, on a ici quelqu'un qui a un dragon d'eau. On a ici quelqu'un qui a un dragon d'eau. Le dragon n'est pas un animal spirituel, le dragon c'est carrément encore plus, you know, puissant que tout ça. Et il est probable que c'est aussi à cause de ce dragon d'eau là que vous avez besoin de prendre des bains. Vous êtes par exemple, on a ici quelqu'un qui doit prendre son bain avant. La nouvelle lune prochaine, c'est quand? I don't know. On a les anges qui vous appellent. On a l'eau qui vous appelle. What? Ok. Pour une autre partie d'entre vous. On a aussi ici les anges qui me parlent d'un renouvellement. Ok, pour certaines personnes, je vois ici un renouvellement de vœux. Si vous êtes marié, peut-être qu'il y aura un renouvellement de vœux. Pour d'autres, si vous êtes sur le point de vous fiancer, il risque ici d'avoir un renouvellement de vœux. Mais je vois ici un renouvellement de vœux entre vous et quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple.
Oui, c'est un parti d'entre vous, un nouveau commencement, une nouvelle histoire, des excuses acceptées. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi un renouvellement de vœux que vous devez faire avec vos ancêtres, surtout si vous êtes divinatrice ou something, un renouvellement de vœux, un nouveau pacte que vous devez faire avec vos ancêtres, something like that. Mais c'est rien de méchant, c'est une protection, une ascension spirituelle. Seuls les spirituels vont comprendre de quoi je parle. Les autres, quand même, mortels, là, pardonnez, épargnez-moi vos questions. Whatever. Ok? Over here. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici une connexion que vous avez avec votre mère. On a ici quelqu'un qui a une certaine connexion avec sa mère. On a peut-être ici quelqu'un qui veut revoir sa mère, quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui veut revoir sa mère. On a ici quelqu'un qui a une connexion avec sa mère. Pour d'autres, il y a probablement vous avez votre mère qui veut vous dire quelque chose d'important. Ou encore qui s'apprête à vous léguer quelque chose d'important. Ok? Soit il est important ici pour vous de faire attention à tout ça. But. Pour une autre partie d'entre vous. Pendant que vous êtes ici en train de passer par une ascension qui est très importante pour votre vie, pour le reste de l'année, la fin de l'année, le début de la nouvelle année, etc. On a ici les anges qui voudraient que vous travailliez un peu plus que d'habitude. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici les anges qui sont en train de bénir vos affaires. Si vous avez l'impression d'être en rétrograde quand il s'agit de vos affaires, quand il s'agit de vos finances, de votre business, de votre créativité, il est probable que vous avez ici les anges qui essayent de vous ramener en rétrograde afin de fixer certaines choses qui sont en rapport avec la base même de votre business, ou encore qui sont en rapport ici avec la base même de la manière dont vous travaillez. Pour une autre partie d'entre vous, si vous travaillez as well dans une compagnie, dans une entreprise, vous risquez de vous rendre compte qu'il y a certains changements qui risquent de commencer à être implémentés dans la structure d'une entreprise. On a des gens qui vont être renvoyés, on a des gens qui vont être promus, pendant que d'autres vont être envoyés. Et dans ce cas, je vois ici une promotion qui arrive vers vous as well, surtout peut-être vers le mois de décembre, pour certaines parties d'entre vous, ok? But, pour d'autres, on a ici les anges qui s'apprêtent à vous bénir financièrement. Si vous avez ici peut-être un certain recul quand il s'agit de vos finances, il est probable que les anges ici essayent de maçonner quelque chose derrière les rideaux afin que vous ayez encore plus que d'habitude. Pour certaines parties d'entre vous, c'est ici une histoire qui a un rapport avec la patience. Pour d'autres, si vous êtes ici artiste, il est important pour vous de savoir que ça risque de prendre un peu de temps peut-être pour que certaines choses démarrent comme il faut, surtout si vous faites de la musique ou something. Bon, on a les anges qui veulent que vous travailliez deux fois plus que d'habitude. Il y a quelque chose qui se prépare, une surprise qui se prépare. On a même vos ancêtres qui sont en train de travailler sur une surprise qui se prépare pour vous. Il est important pour vous de savoir que vous saurez quelle est cette surprise-là au moment venu. Vous verrez un changement au moment venu. Mais pour l'instant, ils veulent plus que vous vous concentriez sur votre célébrité. Donc, si vous êtes artiste, c'est votre célébrité qui est le plus important right now. Et pour d'autres, cette protection divine-là, ce renouvellement de vœux-là que vous êtes ici sur le point de faire avec les anges et vos ancêtres. Ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous avez ici les cancers, les poissons, vierge ascendant, bisous. Bye.